Salut la team, c'est encore Toonie pour un autre jeu. Un jeu qu'on peut vous montrer que. Enfin, une partie qu'on peut vous montrer, c'est-à-dire la démo de Dragon Quest XI, les combattants de la Destinée Edition Ultime S, tirée de la version Switch et améliorée évidemment pour l'occasion. Donc il est là. Si vous commencez cette aventure, vous pouvez reprendre votre sauvegarde. On reviendra sur la version finale au moment de la sortie, au moment de la possibilité de continuer les aventures que nous avons déjà commencées. Donc vous avez 10 heures de jeu en démo. Montrer, eh bien, tout simplement que ça ne ressemble pas bêtement à une version Switch portée, comme on pouvait imaginer, où la communication de secours était très, j'ai envie de dire, mal faite. Donc c'est pas copié comme cette version Switch qui avait l'exclusivité à la base de cette version qui offre les voix japonaises, la musique orchestrale, etc. Donc ici on n'a pas l'aliasing qu'on pourrait éventuellement imaginer avoir, etc. Dans la version Switch, mais bon, ça c'est plus le côté nomade, moins de puissance, etc. Qui fait que voilà, on n'avait peut-être pas la résolution qu'on voulait. Mais ici, on a une vitesse dingue, comment dirais-je, de jeu. Ça n'est pas flou, c'est net, les temps de chargement sont géniaux. Puisqu'ils sont quasiment inexistants, comme dans la plupart des titres qu'on a testés jusqu'à présent. Mais pas un titre qui n'est pas encore sorti. Et en plus, ben voilà, HDR, enfin toutes les fonctions que vous avez envie d'avoir sur Next Gen, vous pourrez les avoir sur cette merveilleuse version de Dragon Quest. Et moi, personnellement, je l'ai eu en japonais à sa sortie en 2017, où il n'y avait pas de bruit de ça. J'ai eu la version DS aussi, si vous avez le mode 2D, hein, n'oubliez pas aussi en plus. Vous pourrez retrouver évidemment le jeu aussi sur PS4, sur PC, sur l'Epic Game Store, etc. Faudra repasser à la caisse. Mais la version boîte n'est pas très très chère parce que bon, du coup, je crois que j'ai mis 35 euros. Et franchement, c'est un des plus beaux jeux auxquels j'ai joué ces dernières années. J'ai eu l'occasion, comme je vous dis, de voir la première version Jap sans voix, puis voir la version internationale, j'ai envie de dire, sortie sur PS4. J'ai joué sur PS4, j'ai joué sur PC. Beaucoup plus sur PC. En plus, vous pouvez le modder, etc. et apprendre toutes les musiques orchestrales, etc. Mais si vous avez voilà, une version tout un an, j'ai envie de dire, qui ne ressemble pas à ce qu'on avait peur qu'elle ressemble, c'est un petit bijou de RPG à l'ancienne et certainement des meilleurs RPG auxquels j'ai joué ces dernières années. Il est bien joli ce perso. C'est moi. Hey! Donc voilà. Ici, j'essaie de faire ça pour qu'on puisse avoir une petite vue. J'espère, voilà, c'est bon. Donc voilà les amis, vous avez vu à quoi ressemblait Dragon Quest, que vous pourrez retrouver le 4 décembre sur cette sur compatible Xbox One. Sur la boîte, il était clairement écrit Xbox One et Xbox Series X, parce que bon, Series S n'est pas noté puisqu'il n'y a pas de lecteur CD, c'est normal. Enfin, lecteur Blu-ray. Mais vous l'aurez aussi en possibilité d'avoir dématérialisé, etc. Donc c'est vous qui choisissez. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas de choisir votre prochaine vidéo sur X ou sur S. C'est vous qui choisissez.